Dans les paroisses de PO et de la couture, on aime les ânes. Les baudets, si vous préférez. Tu veux pas monter dessus, toi? Hein? Tu veux monter dessus? Ouais. Pas moi, j'ai du mal. Venez, viens m'aider, là. Ils sont en effet le clou du spectacle de la kermesse locale appelée la kermesse de Saint-Vinant-sur-Lay. Située au lieu-dit Lavaux, entre Mareuil et Luçon, cette dernière est donc organisée conjointement par les deux communes de PO et La Couture. Et traditionnellement, en ce mois d'août, la course aux ânes est de rigueur. Ça a toujours été comme ça, c'est la tradition, c'est familial entre les deux relais de la paroisse, PO, La Couture, et c'est toujours dans cette ambiance-là que ça se déroule en effet, oui. C'est un ensemble, c'est les relais qui tiennent à faire une fête ensemble, le cadre est agréable en effet au bord du lait, et puis beaucoup de stivants aussi qui viennent tous les ans, ils sont habitués à venir tous les ans ici, vous voyez, on a de la peine à trouver de la place sur le parking, hein. Alors ça c'est traditionnel en effet, oui. Alors, oui, c'est traditionnel et beaucoup de gens viennent pour ça. Toujours aussi spectaculaire, ça amuse les adultes, puis aussi les enfants qui peuvent faire des tours sur la piste là. De faire connaître la paroisse, c'est nécessaire à la vie de la paroisse d'abord, hein, chaque relais apporte un petit peu quelque chose, c'est indispensable à l'équilibre financier, et puis c'est aussi une façon de se retrouver entre nous pour faire la fête, voyez. Le public participe ainsi activement à la fête en essayant de boucler trois petits tours de circuit, alors que d'autres, plus moqueurs, n'hésitent pas à parier sur leurs favoris. Une fête, une kermesse, où les jeux sont également de circonstances. Jeux d'équipe, tels celui-ci où les participants doivent remplir un bassin d'eau recueillie quelques mètres plus loin. Au milieu, reste au milieu. Il faut trouver un truc. Allez, c'est bien. C'est bon, ça se remplit. Grand succès également pour les stands traditionnels de tombola ou de jeux de quilles. Bref, une après-midi détente que certains n'aimeraient manquer pour rien au monde. Ah oui, il y a tellement d'années que je viens ici, c'est formidable, on s'amuse beaucoup, il y a beaucoup de jeux, il y a du public, des amis qu'on voit. Et tous les ans, je ne louperai pas cette fête. À moins d'être malade, bien sûr, mais non, je ne louperai pas ça. C'est trop marrant, c'est convivial. C'est marrant comme tout, c'est... Quand vous voyez que les ânes refusent d'avancer et tout, non, mais on vient pour ça justement, parce que c'est corneau, donc on suit le... Non, c'est très bien, c'est au contraire. Une kermesse familiale qui accueille ainsi chaque année des centaines de visiteurs.